Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans la suite de mon let's play sur Evil Within. Dans cet épisode-ci, on va peut-être essayer de chercher le noyau. Peut-être, bien sûr. Surtout se taper des jumpscares. Vous rechargez votre dernière sauvegarde, continuez la partie, écrasez vos données de sauvegarde automatique. Annulé. Continuez. D'accord, ok, en gros c'est d'office. Chapitre 3, Résonance. Sébastien rencontre un membre de l'équipe de sauvetage nommé O'Neill. Ce dernier lui montre comment se servir de son communicateur pour capter des signaux à travers une IAN. Sébastien tente de localiser un signal à l'extérieur qui pourrait lui permettre de localiser Lily. Vraiment, il me faut une autre chaise. Il reste deux, trois celle-ci. Contre, faut que je fasse ça moi, pour être sûr qu'on m'entende. Pas que ça déconne comme la dernière fois. Planque d'O'Neill, ouais. Notre cher O'Neill qui a laissé à ses gardes du corps se faire bouffer. Deux secondes. J'ai plusieurs fois le jeu qui tourne, c'est quoi le délire là? Comment ça se fait? Ah là j'ai trouvé, ok. Ouf, what the fuck. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ah là là je crois que ce sera bon. Voilà, désolé. Alors, on n'a pas besoin de te parler. Au-dessus, c'est bloqué, on va ouvrir ici. Non. D'accord. Bon, on va y aller. La petite musique qui met bien ou pas. Moi qui rappelle dans le A, quoi. Salle A. Salle de Sébastien. Ah! Ah, pour ceux qui ont joué au A, vous avez capté ce qu'il y avait. Ah oui mon grand, c'est la même chose. Laissez-moi sortir! Ah bah ouais, c'est celle du A. Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle, en fait? Vous savez, comme avant. Ouais. Wow, on va t'injecter des trucs dans le corps. Alors, santé, agilité. Achetez des aptitudes pour améliorer votre endurance et votre capacité d'évasion. Ça peut me servir. Furtivité, plutôt. Alors, bon, embuscade. Vos pas sont plus silencieux, les ennemis se mettent à votre recherche moins rapidement. Hop là. Ça coûte 3000, j'ai que 1600. Ici, 3000, 3005. Tesson. Utilisez automatiquement les bouteilles de votre inventaire pour vous libérer de l'emprise de certains ennemis. Ne fonctionne pas pour toutes les attaques. Bon, allez, le prochain, sans santé, allez, résistance. Hop là. C'est bon comme ça. Je ne comprends pas. Cet endroit, vous, c'est comme Beacon, mais ce n'est pas Beacon, c'est Union. Ah bon? Ça me paraît familier pourtant. Ces murs, cette chaise, vous, pour moi, c'est comme si rien n'avait changé. D'accord.
Ouais, y a rien d'autre quoi. Est-ce que... D'accord, ok, la chaise ça disparaît, chaque fois qu'on s'assied dedans ça se remet. Ok, d'accord. L'ouverture du bureau, elle est où? Elle est... voilà, ici. Hop, j'ai rien d'autre à regarder. Le matou. C'est le projecteur, mais ça j'ai qu'un seul truc de projecteur, ça ne sert à rien. Je pense que j'ai rien d'autre en fait. Bon, on peut aussi ouvrir comme ça. Non, il n'y a rien d'autre qui a changé, ok, d'accord. Ouverture à la barbare, qui passe toujours aussi bien. Bonjour aux ennemis. Et accessoirement, allons-nous faire peut-être une nouvelle arme. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Lorsque le communicateur se trouve dans le champ de poids de résonance, une onde apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. À déplacer le communicateur pour trouver le signal et le capter. Lorsqu'un signal est... Ça doit être le signal dont me parlait O'Neill. Ah non. Si, ouais, c'est remis en... C'est remis. Lorsqu'un signal est capté, le communicateur affiche la direction et la distance relative au poids de résonance capté. Les poids de résonance captés figureront ensuite sur la carte. Wow. D'accord, là il y a eu des frises, c'est pas bon ça. C'est quoi qui va encore nous mettre le jeu? Ok, il n'y a aucun possible de retour. Il n'y a aucune possibilité de retour là en fait. Carrément. Fais gaffe derrière toi. Ah, apparemment. Qu'est-ce qui se passe, putain? Il y a eu un si drôle ça de. Continue de s'effondrer comme ça, il n'y aura plus grand-chose de la ville à fouiller. Il faut que je trouve ce signal. What the fuck? D'accord. Un truc qui se passe de la gueule quoi. On peut rentrer où on veut ou pas? Apparemment oui. Sauf que le truc c'est... Localiser, résonance inconnue. Ça c'est le signal rebelle et ça c'est quoi ça? Résonance inconnue. Le problème c'est le signal rebelle, on sait même pas... En fait le truc c'est... Je sais pas. Hop. Et il y avait une bestiole, il y a eu un ennemi qui a couru. Mais on aurait dit qu'il échappait à quelque chose. Si un zombie échappe à un monstre, c'est pas bon ça. C'est pas bon pour le matricule. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Oh, une palette. De là, j'aurais cru que ça aurait été une mallette pour les armes ou autre.
Sont morts ou vivants? Non, ils sont vivants. Lui, il est vivant, tu me dis ce que tu veux, lui. Hop, hop, hop. Putain, je vise pas bien. Ah, merde. Oh, oh mon dieu. Voilà, plus de tête. Aouh. Ah ouais, chaud quoi. J'ai déjà perdu toute ma vie sur deux ennemis. Bon, tout en sachant que je me doutais qu'il faisait une embuscade, mais je suis quand même tombé dedans. Bon, une pièce d'amélioration. Regarde, dans le tas, je parie qu'il y aura. Ces choses entassent les corps ici. Pourquoi? Bah, dis-toi que si tu entends cette chose, c'est qu'il y a une raison. Hache, lorsque vous en faites l'acquisition, la hache remplace temporairement le couteau de survie au combat. Elle peut tuer instantanément certains ennemis, mais se brisera après la première utilisation. Vous trouverez des haches au sein d'Union et au mains de vos ennemis. Allez, quoi. C'est quoi ça? Pourquoi tu regardes sous la bagnole? Ah non, d'accord. Il va récupérer un truc. La poudre à canon. Vous pouvez vous cacher dans les forêts. Un changement de couleur de votre corps indique que vous êtes caché. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Ah, c'est bien fait. Bon. Ok, je la suis plein. Ah, c'est bien ça, maintenant c'est plus. C'est linéaire, mais en même temps ça ne l'est plus quoi. Regarde, un zombie qui va sortir de. Du truc. Ah non, même pas. D'accord. Ça, faut pas faire. Une fois, même pas deux. Poudre à fumée. Cette poudre sèche émet de la fumée lorsqu'elle est exposée aux flammes. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Là, je suis full. Hop. La 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 la. En fait, limite, si on entend du bruit, faut enfoncer quoi pour être sûr. D'accord. Bonjour le corps. Alors, par là. Qu'y a-t-il ici? Une belle lampe pour éclairer. Une pièce, rien d'autre. C'est nickel. Par contre, passer que la tête, c'est pas la meilleure non plus. Fusible, petit bloc fusible provenant d'une boîte de dérivation électrique. Malheureusement, il ne peut pas servir à réparer les boîtes à fusible cassées. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ah, une trappe. Qu'y a-t-il dans cette belle petite trappe? D'accord. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Allez, à la moelle, quoi.
Cet ordinateur fonctionne toujours. Qu'est-ce que... Chargement 3% quoi? What? Ça me rappelle le ça. À la moelle armurie. La moelle armurie. Quoi? What? Le truc m'a TP? C'est bien, mais... Oh, des mines, on va pas cracher dessus. Hein. Les munitions, c'est toujours bon à prendre. Alors, qu'y a-t-il plus loin? Le problème, c'est que vu que c'est plus linéaire, tu sais pas si en quelque sorte tu peux ou si tu vas tomber sur un mob qui te faut par exemple le fusil à pompe ou des hauts du genre quoi. T'as tombé au corps à corps avec un mob, tu vas te demander ce qui va se passer quoi. Bon ok, utiliser les escaliers en cas de feu, n'utilisez pas l'ascenseur quoi. Sauvegarde, ça signale rien de bon. 17 minutes de jeu, ça signale rien de bon. Mon dieu. C'est cool tout ça. Et j'ai 11 munitions. Mais c'est bien. Ah, Zombiax. On est au minimum A. Minimum parce que je sais pas s'ils font de si tard, s'ils vont me tordre une embuscade ou autre. Au minimum, il y en a A de zombies. D'accord. Voilà, tiens, crève. Bon, bah, au revoir, mâche. C'est soit elle, soit moi. Ça a été elle. What? D'accord, quand je disais qu'il fallait le pompe. Oh mon dieu, tiens. Je suis content d'avoir chopé une hache réellement. C'est mieux que ça la one shot là. Réellement. Par contre, si on en a plusieurs comme ça, je me barre. J'ai pas les armes pour. C'est là que je me retrouve au couteau. Bah oui, allez, un petit trou. Ah ah ah. Ouais non, il y a d'autres bestioles plus loin, moi j'ai pas les armes pour. Hein. Tuyau métallique, un bout de tuyau en acier un peu rouillé, pas très utile en tant que gourdin, et puis vous avez des armes à feu. Ce qu'on pense peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ouais bon, par contre je me retrouve avec un petit pistolet et eux ça ne passe pas trop les balles en pleine tête. Bon. Par contre tous les bruits là. Mec, on est en train de taper.
Mec, il y a un monstre qui est en train de taper sur quelque chose, quoi. Bon, moi j'en reviens en arrière. Quand je serai mieux staff, je reviendrai. D'ici là, ça va rester comme ça. Déjà rien qu'avec ça là, j'aurais peut-être dû avoir la puce à l'oreille, quoi. J'étais pas dans une zone habilitée pour mon niveau. Moi pour mes armes actuelles. Allez. Ah, Exit J3. Allez au 332 Cedar Avenue Union. Oui, je veux revenir en arrière. Un, deux, quatre, cinq, sept. C'est bien fait ça quand même. Avec le temps de chargement entre les deux trucs. Il charge pendant la petite cinématique où tu te déplaces quoi. C'est vraiment bien fait. Ouais, t'attends pratiquement pas quoi. Bon bien sûr, sauf quand le jeu est troll quoi. Qui tape des chargements interminables. Ça donne quoi quand... Ah ouais, je peux même pas regarder quoi. Quand il est épuisé. Voir ce que ça fait quand il vise. Et si... Hop... Alors, crée-moi une seringue. Allez hop, voilà. Voilà, ça a chargé en fait. Nous revoilà dans le notre monde. C'est classe ça quand même, quelque sorte de monde parallèle, si on pourrait appeler ça parallèle. Par contre, le truc qui me ferait quand même un peu stress, c'est AC4 quand on ressortirait d'ici qu'il y aurait un mob qui nous attendrait en mode sneaky. Là, je crois que je vais sortir bien passer la quenelle. Mais bon. Ah ben voilà, hein. Le corps qui se fait attirer, ça c'est classe. Ouais, il est par ici, hein. Allez, on ouvre la porte. D'accord. Pourquoi l'a-t-elle attiré dehors? Une, deux. Ah oui, une hache, allez! D'accord, il y a sa pote qui est en train de couper l'autre. Bon, par contre. Bon, faudrait que j'arrive à passer, mais je ne sais pas. Bon, je prends le risque. Faut qu'elle, elle reste là. Et qu'il y en ait aucun derrière. Non. Vive le renfoncement des maisons. Bon. Et une petite hache à nouveau. Bon, bon, bon. Alors, continuons vers le signal. Hein. Voilà, ce verre-là, c'est dans 140 mètres. Centaines de mètres.
Ils sont trop nombreux. Serre les dents. 90. Ah, ici. Merde. Réflexe. Qu'est-ce qu'il foutait d'aller fourrer lui aussi? Il avait qu'à pas être là. Bon, alors. Il y en a un au-dessus. Il y en a là. J'espère qu'il y en a qu'un au-dessus. Et qu'il va pas se retourner quand je vais grimper. Non, il est occupé avec le cadavre. Bien au-dessus du truc. Une vingtaine de mètres encore vers l'aube. Vers là. Pas de résonance. Ouais, c'est en dessous. On faisait qui part du coordinateur, un indicateur vous donnera une idée de la distance vous séparant de points de résonance. De plus, des flèches vous indiqueront s'ils se trouvent au-dessus ou en dessous de vous. Alors, il y a combien d'ennemis? 1, 2, 3. 3. Lui, il a une hache, première vue. Oh, c'est moi qui ai fumé. On dirait qu'il a un truc dans la mer, mais je suis pas sûr, je vois pas. Là, il y en a 3 aussi, putain. 6 ennemis au bas mot. Moi, 6 ennemis que j'ai vus. Combien y en a-t-il en tout? C'est autre chose. Alors, les bouteilles, course rapide en bas. Faut que j'en appelle un à la fois. Même si je ne vois pas sur eux la zone. C'est marrant. Bon, la zone, elle se termine là. Hop. Je vois pas la fin en fait de la zone. C'est ça qui est classe. Voilà. Bon, je le lance là. D'accord. Balestec. Ouais, ils sont en mode balestec complet quoi. Supermarché de Crimson. Alors. Ah, il me semble avoir vu un truc en dessous de la barre, de la bagnole. Ah non, ok. J'ai pas bien vu. Eh, Mobius. Ils sont juste à côté, je sais. C'est quoi que ça? Abandonne personne, ça ne veut plus rien dire ici. Ça te pose un problème? Tu déconnes?
mais c'était quoi? Quoi qu'ils puissent être, ils ont dû passer par là. À savoir où ils sont allés. Hein? Encore c'est quoi ça? Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. Ah. D'accord, en fait, c'est soit j'y vais, mais je risque de me faire défoncer la rondelle, soit j'y vais pas, mais je n'ai pas d'armes. C'est bien qu'ils soient débiles les zombies. Ah, ils ont été pauvres dans ces caisses-ci. Déjà qu'en général les caisses sont pas bien chargées. Mais là c'est pire. Bon, alors, explorer, hop là, je vais aller là, en fait là où j'étais quoi. Soit je vais pouvoir run à certains membres. Je suis en train de m'aventurer n'importe où, mais j'ai rien pour me défendre. J'ai une arme, mais bon, elle est vide. Clou. Ces longs clous en acier sont normalement utilisés dans le bâtiment. Ils sont parfaits pour une utilisation en tant que shrapnel. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ah! Je disais que j'allais pouvoir run à un certain moment, moi. Par contre, il est où? Juste là. Faut pas que je perde de vue. Par contre, encore bien qu'ils sont débiles comme leur pire. Là, ça m'aide. Ah bah non, j'allais dire, il me semble que j'ai droit à une hache, mais non. La dernière fois, j'ai utilisé ma hache sur un ennemi qui était à terre. Ouais, j'ai flippé. D'accord, qu'est-ce qu'il fout en dessous, lui? Pourquoi tu regardes? D'accord, en gros, si j'aurais examiné en dessous, je me serais fait avoir, quoi. Quoi j'ai récupéré? Ah, des pièces détachées. C'est quoi qu'il nous fait là? Quoi? D'accord, il a regardé dans le truc. Pourquoi pas? Une petite hache. Bon, allons voir au train maintenant. La 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 la. Oh putain, j'adore. Le travail n'a pas de lumière au milieu. Mais on en a pour te faire avoir. Ah, là au bout il y a un ennemi déjà. Mais c'est pas ça, il faut que je regarde pour l'instant.
Non, pas l'air d'y avoir d'ennemis sur ce coup. Oh, ça va. Il y a l'ennemi qui est là au milieu. Sinon, à part ça, il n'y avait rien derrière. Donc elle fait aller-retour quoi. Voir ce que ça fait une attaque fufu avec la hache. J'aime bien, c'est nickel quoi. Je trouve ça bien le. Comme ils ont fait, c'est plus linéaire à 100% quoi. Non, 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 non. Eh ben si. J'avais déjà pas de vie de base. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait attention de... Le pire c'est qu'avant je m'en doutais quoi qu'il allait y avoir une embuscade là. Et... Il y a l'ennemi, le meilleur moyen de t'avoir quoi. Je me suis fait poutrer. Sébastien réussit à capter un signal ressemblant à la voix de Lily. Il le suit à l'aide de son communicateur. Bon, je suis où là? Ça sauvegarde ici? Apparemment, oui. Ah, c'est quand j'ai ramassé la hache en fait. Je suis bête, attends. Hop là. Et deux picouzes. Ce qui fera déjà un peu plus de vie. Ah, cette fois, ils ont été un peu plus généreux sur les loot des boîtes. Ils l'ont été un peu. Hein. Faut pas trop demander non plus. Hein. Statue. Comme dans le E, je parie. Clé de casier, ouais, c'est clé de. À l'ancienne, servent à ouvrir les casiers dans la zone de soins de la fermière Taliana. Comme dans le E, c'est la même chose. Même chose, quoi. L'ennemi que j'ai tué dehors. Alors, y aurait-il autre chose ici? Un appareil photo. Pourquoi y a-t-il un appareil photo? Je sens le troll arriver. C'est moi ou... D'accord, il y a un bras, mais sans son... Sans son occupant, quoi. Il me reste sur son corps. Pochette améliorée. Pochette amélioration pour pistolet. Cette pochette de nylon sert à transporter des munitions supplémentaires pour le pistolet. Ah, on peut avoir jusqu'à 60 munitions en plus, quoi. C'est bien. D'accord. Là, il y a eu une un truc explosif qui vient de s'activer là. Comment puis-je faire pour le désamorcer? Ou je vais tirer dedans, on va voir ce que ça va faire.
D'accord, ça ne fait rien. Tu me dis ce que tu veux, c'est un piège à ça. Bon bah. Ah ok. C'est pour déclencher le flash en fait. En gros, c'est ça le ralentissait. Si jamais bah, t'avais pas la hache. Il savait le faire, mais j'avais une hache. D'accord, en gros c'était pour un flash. Et ça m'a coûté une hache. Bon allez, retournons là où on s'est fait avoir. Mais j'ai plus ma hache moi. Bon, faut que j'attende qu'il fasse un aller-retour, je vais tuer celui qui sera plus vers ici. Tu sais que t'es moche de toute façon. Bon, allez, retourne-toi, laisse-moi accéder à ton pote. Ton pote qui doit être vers ici, je crois. Ouais, ici. Alors, ça nous en fait un. Bon, on lui fera encore les allers-retours. Hein. Un deuxième ici. On n'a pas vu la première fois, c'était pas tué. Enfin. Est-il con comme ses pieds? Je pense que la réponse est oui. C'est là qu'il y en a un qui est là par derrière. La réponse est officiellement oui. Il faut que je fasse plus attention. Non. C'est vrai?
Il va pas me dire qu'il me voit. Oh putain, non, lui non, mais elle... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Même c'est que là, je vois rien. Oh, je vois que dalle. Ça va, elle est là. Là. On va plus ou moins se déplacer. Merde. Oh putain. Là, c'est galère vraiment. Oh là là. Non, bouf. Bon, et l'autre aussi, elle était sortie, ils étaient tous les deux sortis. Ah, ils sont bien sacros là par contre. Par contre, ils se bloquent l'autre, deux fiches pour en avoir un. Moi je crois. Ou pas. Alors, c'est le jeu. Là je parie qu'ils sont encore bloqués. Oh non, 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 ils sont plus bloqués. Vive les voitures. Ouais, merde. Un d'un côté et l'autre de l'autre. T'as, j'ai rien à faire, quoi. Je me fais avoir parce que... Il bloque les deux... bloque les deux côtés de la bagnole, quoi. Une est là, et l'autre, il est où, l'autre? Ils sont tous les deux là. Ah là 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 là. Partez tous les deux du même côté, please. Oh putain. Bon, je peux au moins faire ça là, je pense. Nice, voilà, allez. D'accord. Ouais, elle me lâchera du... d'autres trucs par après, mais... Bon, il reste le gros. Mon dieu, c'est vraiment... c'est un bordel, quoi. Ouais, il y avait un truc ici. Greppé. D'accord, ok, on voit... Alors, voilà. Écoute, ça m'énerve de quand même avoir récupéré la hache. Bon. Bon, 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 bon. C'est bien, sauf que tu regardes dans le mauvais wagon. C'est dommage. Hein. Bon, il n'y a plus d'ennemis. Mec, il regarde dans tous les interstices possibles, quoi. Apparemment, non. Si, là, et là.
Mais merde, je pensais pas qu'il allait en avoir. Vive le moyen de se retourner. Putain, il vraiment faudra un moyen pour se retourner beaucoup plus rapidement que ça parce que. C'est chelou quoi. Putain. Bon, allez, je crois que j'ai bientôt fini de vider le train. Ouais, par contre, pourquoi est-ce qu'il se met à courir lui maintenant? Il va où va-t-il? Ah, je crois qu'il va faire les allers-retours. On va voir jusqu'où il fait ses allers-retours lui. Oh mec, non ça va, il fait les allers-retours. Il regarde entre les rangées lui aussi. Et il s'arrête là. Ouais ça va. Ouais non, j'ai le temps encore, j'y arriverai. Il me ferait marrer, c'était justement ce que j'allais dire, qu'il se retourne juste en mangeant au corps à corps. Bon, par contre, s'il s'arrête. Il s'arrête tout d'office à ma hauteur. D'accord. En étant accroupi. Le meuble, je repousse. Rien à voir. Il m'a même pas touché une seule fois, même en agitant les bras, quoi. Soit j'ai eu du cul, soit j'ai trouvé un moyen pour troll le jeu. On a jeté ça. Bon. J'espère que je les ai pas tous repérés. Bon là déjà il y a une sortie. Si jamais je dois m'échapper, c'est bien. Bon sur les côtés aussi, mais je pense pas que tu peux passer par là. Je parie qu'ici il y aura des mobs. What? Ah! Pas de résonance. Putain, je me suis effrayé, je me demandais ce qui se passait là. Gel rouge, ce mystérieux liquide couleur sang sert à dévorer de nouvelles aptitudes. Beaucoup plus puissant que l'autre, je pense. D'accord. Lily, t'as fait quoi? T'as été touché à quoi? J'espère qu'il faut pas utiliser de balles parce que j'ai pratiquement plus de balles. J'ai plus qu'une balle. J'allais dire en monstre, non, Stara. Bon après pour certaines personnes les rats sont des monstres, donc ils sont gros.
Je sais pas si c'était bien qu'il fallait que je fasse ça. Mais je l'ai quand même fait. Bon, toi par contre, mon gros. Apparemment, il est mort. Ah non. Soit l'IA fait en sorte qu'il est immortel, soit il est mort. Mais c'est bien tout ça, j'ai qu'une balle et il y a des ennemis, au minimum deux. C'est quoi ça? Bon moyen d'appeler tous les ennemis sur les alentours. Voilà ce que c'est que ça. Non, derrière toi, voilà là. D'accord, 4 caisses et une seule qui contient des objets. C'est bien. Bon. Garage d'Union. Ça va pas d'ennemis. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'à un certain moment il y aura un ennemi dedans. Dans un des trucs. D'accord. En gros, il y a des monstres dedans, quoi. C'est bien tout ça. J'en ai plus besoin que toi, ami. Merci pour le nouveau gun. Qui sont pas très intelligents. Ne te retourne surtout pas. Voilà, ça c'est bien. Gentil. Pistolet à visée laser. Ce pistolet semi-automatique est équipé d'une visée laser pour améliorer la précision à plus grande distance. Alors, changer le type. Une balle dans le chargeur. Ah non, j'en ai 6, c'est bien. J'en ai récupéré 2-3. C'est bien tout ça. Bon. Par contre, comment en fait-on pour rentrer là? Là est la grande question. Comment fait-on pour rentrer dans le bâtiment? Moi, je dois bien rentrer dans le bâtiment là.
Mais qu'il n'y a pas moyen, ce qui serait un peu débile. Comme regardez. Ah non, ils disent. Ouais, non, ils disent qu'il y a moyen. Mais comment? Là est toute la question. Tu peux le planter dans elle? Non. Bravo pour la discrétion. Encore bien qu'il y a des voitures. Merde. Ouf. Bonjour au jeu du chat et de la souris, d'accord? Tu fais le chat et moi la souris. Une souris armée d'un couteau, ça t'intéresse? Eh merde! Eh! Me gave! Putain! Mais... Eh! Le viseur laser lui passe à travers la tête! Ah putain, j'arrive pas à viser quoi! Regarde-moi ça! Ouais, ok, c'est bon, j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien pour me soigner. Ah, c'est bon, je suis dead. Ils veulent même pas courir, quoi. Oh mon dieu, putain. Je crois que je viserai encore mieux sans le viseur laser, quoi. Caché par l'arbre. J'ai plus de balles. Oh mon dieu, putain, je vide les balles, mais comme des petits pets, quoi. Ça a rien à voir. Bon, elle est où, elle? Bon, tiens, tu m'as fait galérer. Allez, tiens. Ah oui, bon, auprès de sûr quoi, les doubles. Une petite vengeance en quelque sorte. Je crois que c'est seulement le deuxième depuis le début qui me fait, où il me fait ça. Mais je vais recharger parce que réellement je me débrouille mieux avec quoi. Avec le pistolet de base qu'avec l'autre. Faut que je fasse gaffe parce que c'est comme dans le A, certainement, ils vont me lancer une bombe ou des autres joueurs. Tant qu'ils me donnent ça, moi je dis pas non. Au dixième coup, j'ai rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout. 9. 10 coups. Non, ok, il ne m'a plus rien donné. Je crois qu'il s'est vide. Je crois que c'était totalement vide.
pensais que c'était une seringue. Vous avez entendu tous les coups de martèlement. Je parie qu'ils seront de l'autre côté. Là, je sens un bon gros troll arriver. Alors qu'on a été de l'autre côté et il n'y avait rien, quoi. D'accord. Faut que j'utilise le truc de résonance ici. À l'intérieur. Une petite musique qui s'active. Ah. James s'est fait bouffer. Il y a du matériel là-dessous. Il va falloir que j'aille voir ça. Ah ok, en fait, faut que je les active tous. Sans... Attends. Ah non. Ok, en fait, faut que ce soit le nombre, le bon nombre, en fait. Disque sur en dessous, ouais. D'accord, c'est celui-ci à lever. Bon. Jade A. On va descendre celui-là. Ouais, je sais, ça sert à rien. Oh non, pas elle. Je fais en sorte qu'elle se fasse écraser. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi à la tuer. Oh putain, faut combien de coups quoi. Bon, moi il y a deux bagnoles quoi pour me servir de cache. De cachette. Non, 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 de l'autre côté. D'accord, ok, en fait, elle fait ce petit côté-là, elle va derrière la voiture. Deux attaques. Deux attaques, il est mort. Deux fufu et c'est bon. Bon, problème. C'est ici en bas. Qu'y a-t-il ici? Ça, la vie. J'utilise directement vu que je suis vraiment mid-life. Même pas mid-life, c'est carrément low-life. J'ai plus de munitions. J'ai mon petit gars. J'ai plus de munitions. Oh, je me sens bien. Qu'est-ce que je me sens bien?
Là, je vais aller jusque là, à la planque. C'est quoi ça? Bladé de Mobius, arbalète sentinelle. Ouh, ah ouais, chaud. Elle tire sur tout ce qui bouge, l'arbalète. Ah ouais. Bon. Comment ça? Non, c'était un bug que j'avais tantôt. Faut que j'aille me planquer, sinon il risque de me tuer à la prochaine fois qu'il m'achoppe. Putain, faut que j'augmente son endurance, réellement. La 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 la. Bon, où va-t-il venir? Non, mais ne rentre pas là, toi! Comment ça se fait que eux ils peuvent rentrer là, mais moi je peux pas, quoi, pas comme eux. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est dégueulasse. Non, il n'y a personne derrière toi. Merci. Ah, la petite plante. La statue qui cache une statue. Ok, en fait, on pourrait rentrer dans tout, mais il y a les trucs Mobius qui font en sorte que c'est non, quoi. Sinon, ouais, si. C'est quoi le meuble là au bout? Il a de la fumée autour de lui. Bon, je vais pas aller. Même s'il a l'air tentant d'aller, je vais pas y aller. Ça vaut même pas le coup de monter dedans parce qu'il y aura rien. Il y a un loot. Lui, on dirait qu'il est en train de se transformer. Nouveau didacticiel. L'eau conduit l'électricité. Vraiment, ils les ont mis dans le jeu, il y a un problème, quoi. Leur intelligence est inférieure à celle d'un chimpanzé, quoi. Je suis d'accord, leur cerveau, c'est peut-être, comme certains disent, ça fait bouffer, machin, etc. Mais quand même, il y a une limite à la connerie, quoi. Bon, allez. Contre ça, s'ils disent avec les armes éclaircir leur rang, vous avez tué 30 ennemis. D'accord. Ça, ils disent certainement qu'il y a une arme électrique ou autre. Le sort arrivé. Allez, je vente.
Donc étrangement, il m'a pas vu. Ce qui m'arrange personnellement, mais quand même. Lui, j'ai pas besoin de regarder parce qu'ils ne sont pas. Et à lui. Par contre, où est-ce qu'elle est? Ça, c'est autre chose. Elle est là. Et merde, c'est moi qui ai fait le tour comme un gros con. On voit la distance qu'il nous reste à parcourir. Ah, j'ai même pas tilté ça en fait. Bien ça, c'est bien fait ça. Quand on est debout. J'aurai peut-être pas cette chance la prochaine fois. Aussi. Mais non. Bon, elle est où? Bon, je vais bien réussir à l'avoir un de ces quatre. C'est pas possible autrement, quoi. Trois fois j'essaye, elle me trouve quoi. Bon, faut se dire, je suis pas bien. Quand le zombie, du moins le monstre avec la fumée autour de lui, me tente quand même quoi. Bon, tu restes comme ça. Voilà, allez hop là, je vais pouvoir inspecter l'autre. Cartouche de fusil à pompe. Ah, il y en a aussi. Ah, avec la fumée là au bout. Vous voyez? Je sais pas ce que c'est réellement. Mais. C'est chelou, hein. On dirait sac d'os. Je sais pas. Carreau électrique. Ce carreau délivre une décharge électrique passant d'ennemi en ennemi afin de les étourdir et parfois de les faire tomber. Vous pouvez aussi les tirer sur les boîtes à fusibles hors service et des flaques d'eau pour déclencher des effets environnementaux spéciaux. Vous pouvez fabriquer des carreaux électriques en combinant des fusibles et de la poudre à canon. Boîte à fusibles au service. Vous pouvez réalimenter temporairement les boîtes à fusibles hors service en tirant un carreau électrique dessus avec l'arbalète sentinelle. Ah non, ok, ouais, c'est pour réactiver cet endroit-ci, en fait. En gros, ça ouvrira la barrière, du moins le truc, là. Ouais, il me faudrait le carreau, alors. Carreau sentinelle, alors. Du moins l'arbalète sentinelle, plutôt. Ok, en gros, il fouille la poubelle et parfois, il trouve de la poudre à canon. Met de la poudre à canon dans ses poubelles réellement. Bon bah faut que j'aille là au bout alors. Si au plus grand des hasards il y a un truc. De une table de fabrique ici, moi ça me dérangerait pas, au contraire. Non, il y a que dalle. Nanana. Bon.
Elle porte bien son nom de ville fantôme. Par contre, l'autre qui reste au milieu, c'est une que j'aime pas. Faut la toucher deux fois. Allez. Cette voix est différente des autres. Ah, il s'est pas encore fait tuer, quoi. Une autre résonance. Température de Mobius dans une vingtaine de mètres. Bon, allons voir. Elle n'a pas réagi à des ennemis. On les entend râler. Là, à terre, il y en a. Le problème, c'est que en étant à terre, tu peux pas les one-shot, quoi. Ça, je trouve débile. Mais c'est juste ici, il y en a. Tu vois que tu viens de par devant, il cracha en plein dans la tête. Ça serait normal, quoi, mais non, apparemment, tu peux pas. Là, il y en a un. À l'arbre, il y en a un. Là, il y en a encore un, ça fait 3. Non, il n'y a personne. Dis ce que tu veux, elle m'a vu me cacher derrière la bagnole. Apparemment, non. Mais d'où, putain? Eh merde, je pensais que c'était bon, elle allait pas me voir, mais si. Ça aurait été fort marrant qu'elle me frôle, mais qu'elle me capte pas, quoi. J'aurais peut-être dû remonter, en fait. Cette fois, tu te tais. C'est moi ou on a vu des ombres dans la baraque? Non, ce sont pas. Non, d'accord, ce sont pas des ombres, c'est un effet à cause qu'ils ont descendu leur truc. Je sais pas où est l'ennemi. Hein. Ah, j'en sais rien du tout. Ah là.
Bon. Je sais pas du tout pourquoi là il y a de la gelée verte, mais il y a de la gelée verte. Et j'ai dit pardon, c'est pour de la gelée verte gratuite. Bon. D'accord, lui ne se relève pas encore, je pense qu'il est mort. Ok, il était scripté ce con. Moi, ouais, y a personne à l'arbre. What? Il veut passer à travers l'arbre. Deux coups. Bon, c'est bien, tu tapes dans le feuillage, sauf que moi j'ai reculé. Par contre, ça m'étonnerait pas que plus tard il y en ait idée qu'ils puissent mettre le feu au feuillage ou à terre du genre. Bon, tu tapes dans le feuillage, qu'ils ont une plus grande portée, qu'ils font en sorte que ça te casse les pieds, quoi. Ah merde, je vois plus. Bon, il est où? Bon, bah ok. Attaque furtive. Dans les côtes, dans la tête. Poudre à canon. Alors. Ils disent qu'on peut le déplacer, c'est qu'il y a une raison. Hein. Alors, qu'y a-t-il là-haut? C'est pour accéder à ça, c'est tout. Avec tout ce que je récupère, je vais pouvoir bien me mettre, moi, réellement. Oula! Ah ouais, là, il y a plusieurs ennemis, là. Deux ou trois ennemis. Qu'est-ce qu'elle fait là, la maison? Et c'est moi ou on dirait qu'elle est... Non, elle est ancrée dans le sol, elle n'est pas détruite. On dirait qu'elle a fusionné avec le sol. Montre comment ils vont faire pour sortir. Ah, d'accord, comme ça.
Le perso qui était bugué. Bougeait pas, il attendait, je sais pas. Je sais pas ce qu'il attendait, mais en tout cas il attendait. Bon, nos ennemis, quand ils descendent d'une échelle, on peut leur faire une attaque furtive. Ce qui a rien à voir, mais bon, on peut leur en faire une. Par contre, reculer et se planquer derrière la bagnole. Ils sont où? J'en ai une là, mais l'autre il est où? Elle est déjà remontée, d'accord. Bon, en fait, c'est tu les attires, t'as toi. Tu les prends l'un après l'autre à l'échelle. Grand, je suis en train de courir à côté de toi là. D'accord. Allô? Voilà, enfin, mon Dieu, tiens. Sur l'échelle, hop, attaque furtive. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est facile. Quand tu sais que tu peux faire ça, c'est un peu dégueulasse quoi de le faire, mais bon. D'accord. Un bras, un torse, une jambe. D'accord. Manque quelques parties du corps, je crois, là. Non? Alors... Il y a un gros là. Alors, ça nous en fait un... À la hache. Deux. Elle tape. La contre, je sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Machine mystérieuse. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais n'arrivez pas à savoir ni... À savoir où ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de la garder dans votre salle. On dirait les petits chiens robots là. D'accord. Gros, il n'y a pas seulement les clés, il y a aussi les machines mystérieuses à récupérer quoi. Quand on les a toutes, il se passe certainement un truc space. Bon, alors. Allez, on... J'espère que ça a marché. Oui, mais on va libérer un truc. On va libérer un truc, il y a du feu ici. D'abord, je vais aller terminer la zone. Et j'ai aucune balle en plus. Ah, rectification, 4 balles. Bon.
Le gros est là, devant. Oh putain, elle m'a fait sursauter celle-là, je m'attendais pas à ce qu'elle se trouve là. Ah, viens de lancer la hache. Ouais non, ça te planque pas là-dedans. Ça ne marche pas vraiment pour se planquer ça. Ce gars-là, je sais pas où ils sont. Mais ils sont à ma recherche, je suis à leur recherche. Là, là. Le tantôt qui m'a détecté. J'attends qu'elle revienne vers ici. J'habiterai à ce moment-là. Bon. Petit. À moins que c'est un truc tout foireux que je suis en train de faire. Non, ça va. Voilà. Maintenant le gros de tantôt. Viens voir où ça a pété, s'il te plaît. Oh, c'est lui à la petite hache. Hop, hop, hop. Ouais, il y en a encore une, je crois, près de lui. Ah, il y a celle qui tapait contre le camion, c'est vrai. Je pense pas que c'est elle que j'ai tuée tantôt. Bon. Un moyen safe de l'avoir lui. Sans utiliser ma hache. Bon, je prends le risque. Bouge pas. Voilà, merci. Tu vas pas me dire que si elle me poursuit, allez. Bon, dans le coin, n'avance pas plus près, s'il te plaît. Recule. Chut, chut. Allez, zoom.
Arrête-toi, voilà. Mais non, pas ça. Je veux que tu prennes ça. Ah ouais, elle m'a donné de la poudre, j'allais dire, mais j'ai pas récupéré le gel vert. Normal, elle m'a donné de la poudre. Ah, je peux avoir qu'une hache en même temps. Ouais, max, une hache. Je pensais qu'on aurait pu l'accumuler, la hachette, mais non. Elle bouge fort, hein, elle. Voilà, tout tranquille maintenant. Bon, tu peux pas fermer le portail? Non. Bon, bah d'accord. Renverser le baril. Le ferai par après. Quelle balle de pistolet encore? Total de 8 balles. On se retrouvait sur la tête d'un monstre. S'il était doublement enfermé, c'est qu'il y a une raison, quoi. Bon, allez. C'est quoi qui la tue? C'est quoi qui est en train de tous les buter là? Il meurt et ça n'est pas nickel ça. What? Non, 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 moi je me bats pas contre des trucs invisibles. Non, non, moi je sors. Il n'y a pas possible. Il n'y a pas possibilité, moi je sors. Je suis pas armé pour... Je suis pas armé pour buter ces merdes-là, moi. Il n'y a pas possible... Non, 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 non. Ça c'est hors de question, ça. J'y reviendrai, mais pas maintenant, quoi. Faut pas déconner, quoi. Bon, ce serait visible maintenant. Par contre, si t'arrêterais de bugger, ça m'aiderait. J'ai quand même envie d'y aller, mais non. Bon, allez. Les autres emplacements sur la map, y a quoi? Résonance inconnue, voix de femme. Juste à côté. On va y aller. Je pense pas que je vais tomber contre un monstre invisible.
Voilà, 360 de munitions. Ah ouais, la double immortelle. Mais celle qu'il faut toucher deux fois quoi pour buter. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est aussi intelligente que tous les autres zombies. Ouais, pas très intelligente. Pourquoi es-tu parti là au bout? Ok, elle part en courant pour revenir en courant. D'accord. Bon, par contre, par où est-ce que tu vas te déplacer, toi? Droite, gauche, droite, gauche. Ou tu restes pendant 10 minutes sur place? 10 minutes sur place. On dirait qu'elle buguait dans le cadavre. Moi j'aime bien les haies. Elles sont bien. Bon. Faudrait que je retourne améliorer là parce que 17 000. Voilà quoi. Les s'acharnent sur les cadavres. Bon. Qu'est-ce qu'il a lui? De munitions? Un truc qui fait en sorte que je peux rapporter plus? Une pochette améliorée! Nice! La deuxième! Ah ça va, de toute façon elles sont pas si dures à trouver quoi. Encore une hache, ouais, encore une hachette. Hein. Bon, après, pour couper le bois, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. D'accord, encore bien que j'ai pas continué de voir elle. Elle a quoi la mère? On dirait une bombe ou. Un truc que tu balances en tout cas. D'accord, cocktail Molotov. Réplique d'armes mystérieuses. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais n'arrivez pas à savoir où ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de la garder dans votre salle. Ça ressemble à quoi ça? J'en sais rien du tout. Si quelqu'un sait à quoi ça ressemble, qu'il le mette dans les commentaires. Même si ça m'étonnerait que quelqu'un regarde la vidéo. Bon. Alors, on avance. On la regarde peut-être, mais qui serait jusqu'ici? Qui regarde tout depuis le début? Ça m'étonnerait un peu ce coup-là. Regarde, il va encore y avoir un flash, parce que ça, je ne peux pas l'esquiver. Pac. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas la toucher?
C'est dé... Mais c'est débile. Je la touche, ça ne passe pas. Désolé, mais bon, il y a une limite là. Ouais, c'est vrai ça. La bonne gestion des munitions, elle est à zéro chez moi. Celle de Sébastien était construite pour rassembler. Je suis où là? Ah, c'est quand j'ai tué l'autre, c'est ça? Ouais. Il faut que j'aille récupérer le loot. Je vais de nouveau essayer. Ou je vais d'abord essayer. Non, je vais d'abord récupérer le loot, puis j'essayerai. Ouais, je pensais que ça avait disparu, mais non. Hop, voilà. On sait pas ce que c'est, mais on l'a déjà pris juste avant. Bon, j'ai eu une hache. Une hache, 7 munitions. Ah! Ah, dans celui-ci, j'ai deux munitions. D'accord, en fait. On va garder celui-là, je crois. Et tant qu'on y est... Hop. Tac, utiliser. Et on va se faire des petites seringues. Je peux en faire deux. Hop là, on va faire ça. Et... Je vais vraiment faire 13. Le problème, c'est que ça bouffe beaucoup plus de... d'objets. Hop, le flash. Ne tiens, crève. Crève, mocheté. J'aime quand même bien le truc des flashs. Je trouve ça quand même bien pensé. Une seringue. Et c'est quoi le tour? Pochette améliorée. Pochette à munitions pour fusil à pompe. Ah. Pourquoi tu te balances toi là au bout? Faut pas jouer la pendue hein. C'est pas bien hein. Blum. Il y a vraiment l'inertie et tout. Youm. Ah, le mec qui fait muse avec un cadavre. Je sais. C'est pas sympa. Et c'est pas moral. Bon, allez où alors? Merde, je peux pas passer là. Je vois pas, trop de feuillage.
Trop de feuillage, tout le feuillage, putain, je vois rien. Oh, chaud, putain, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux savoir où aller? Je la vois pas. Ça va aller là. Lettre de feuillage, quoi. D'accord, c'est bien, t'as une cachette, mais. Bon. Une là. Une autre là. Je sais pas, je fais quoi? Bon, je vais déjà m'occuper d'elle. En même temps, la zone ici pour la baraque, ça sera vide au cas où. Allez, sauvegarde, mais c'est bien ça la petite sauvegarde de famille. Je crois qu'il y a une sauvegarde automatique toutes les X, tous les X temps. 5 ou 10 minutes, je pense. J'ai pas regardé. Oui, d'accord. En gros, ici, bah, il y a rien dans cette baraque. La petite plante pour le petit remède de famille. Là au bout, lui, il est vivant. D'accord. Il faut le remonter, mais sur ce temps-là, l'autre, il va venir, il va nous... Merde, il m'a vu. Voilà. Ok. Quand on arrive à les faire tomber, à piétinement, il meurt. Moi, ceux de base. Mais il faudrait que je retire de la pâte alors. Ça me ferait peut-être économiser des mines. Je suis pas le meilleur tireur, quoi. Bon. Ouais, sur le temps qu'on aurait fait ça, l'autre il nous aurait eu, quoi. Ah merde. Eh merde, c'était pas de ce côté-là que je voulais que ça... Bon, fais rien. Ça a coulé. Bon allez, on va voir ce qu'elle nous veut là, la femme. Si elle est toujours vivante, c'est autre chose.
336 Cedar Avenue. Jamais trop prudent. Faut toujours taper sur les cadavres. Ah. La lumière qui fait ça, ça signale rien de bon. Allez, le petit screamer. Que se passe-t-il? Journal de la femme, la dernière entrée du journal est écrite d'une main tremblante. Il y a quelque chose dans cette maison avec moi. Je ne la vois pas, mais je sens sa présence. Je ne crois pas vouloir la voir. J'entends ces horribles choses dehors. Elles sont partout. J'ai peur de sortir, mais j'ai peur de rester ici aussi. Je tremble, mais ce n'est pas de peur. Pourquoi fait-il si froid tout à coup? T'es où, salope? Désolé. T'es où le monstre? What? C'est quoi ça? T'es quoi? What? Ce sera un cache-cache d'horreur. Il est venu me chercher. Il faut que je sorte d'ici. C'est par là qu'il faut que je sorte. D'accord. Même si je sais même pas par où elle vient en fait. Je sais même pas par où il faut que j'aille en plus. Surtout ça. Le seul truc c'est que je sais que ces deux portes-là, je peux les ouvrir. Mais pourquoi il faut que j'aille après? Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Vive les fantômes. Là, je parie qu'elle me voit, elle me voit, elle me rush, elle me trucide, c'est bon. Elle est rentrée par là. Je vais pas la suivre. Faut que j'attende qu'elle sorte, c'est pas. Oh, où elle est. Faut que je voie par où elle sorte, en fonction d'eux, j'irai dans l'autre pièce, quoi. Celle-là, si elle tourne, si elle a certains patterns, ce qui m'étonnerait. Non, c'est pas ce qui m'étonnerait, si elle a certains patterns, mais elle tourne comment?
Soit je prends la porte ou elle est rentrée, je risque de tomber dessus. L'autre porte, elle est verrouillée, on dirait. Ah, l'autre porte, on me dit ce qu'on veut, il faut la passe. Il faut la passe pour pouvoir partir. Donc, en gros, en fonction de là où l'écran se brouille, ce manche mort. Ouais, puis merde, je fais un rush. Ouais, allez hop, bouffe-moi. Ah, elle aspire mon âme en fait. Lorsque vous êtes à couvert. Oh, ça va, je pensais que ça allait être beaucoup plus trash. Non, ça va quoi. Ils sont encore un peu sympas. Le truc, c'est que bon, bah, je suis obligé d'aller là où elle est. Pour trouver un putain de passe. Je pense qu'on la verra plusieurs fois elle. On peut pas la viser pour essayer de la buter. Faudrait que je teste. Il faut que je sorte d'ici. En fonction de là où elle a le regard, de là où elle est, l'écran en fait il se brouille. Je pense que c'est safe, elle est partie. Voilà, elle passe la porte. Dire que c'est il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Ta bouche. D'où? Ça pourrait m'aider à sortir d'ici. Allez, avance. D'accord. Est-ce que je viens d'imaginer tout ça? Non. C'était... cette chose.
C'était la réalité ou mon imagination? Hein? Diapo. Une dia. J'ai récupéré une dia. Bon. Bah, tu sauras vite si c'est la réalité ou mon imagination. Y a rien qui s'est pété la gueule. Perso, je sais pas si c'est toi ou... 201, ça c'est Lily. Elle c'est quoi? 19. Retourne mobius. Bouchette à munitions pour pistolet. Ah mais j'avais pas récupéré en fait. Il me semblait que j'avais récupéré. Apparemment non. Alors. Tour d'arbalète, composant, élément clear. Ouais non, ouais ça non. Apparemment non, j'avais pas. Alors hop. C'est un truc des inventaires que j'ai pas regardé. Non c'est bon. Alors. Ça c'est fait. Il y a quoi ici? Retourne Mobius décédé, cartouche, fusil à pompe. Ouais mais il me fout un fusil à pompe. Ce que je n'ai pas. Il me fait rire le jeu. Bon, il y a quoi? Planque, point de sauvegarde. C'est quoi? Opérateur Mobius. Poudre à canon. Poids de résonance. Ordinateur. Et le entrée vers la moelle armurerie. Explorer les deux poids de résonance. Je vais plutôt aller retourner là. Poids de sauvegarde miroir, y'a quoi? Cafetière établie. Et ici y'a quoi? Blade et Mobius, arbalète sentinelle. Alors non, je vais d'abord aller me refaire des munes. C'est pas possible que je sois ici près du poids de. Bon, c'est là la planque. La planque de départ, elle est là au bout. On est dans la baraque. Signal vient de l'intérieur de cette baraque. J'ai 7 munitions. Et la baraque n'est pas... Il n'y a pas possibilité de rentrer dedans. Si... Il y a possibilité. D'accord. Je sais pas. Excuse-moi après le bruit de fond. Ça va chez Renifer.
Oh, il est où l'ennemi là? Il le fait exprès. Ah! Là, il y en a une aussi, une statuette. Totalement du fait exprès, cherchez pas. T'as un nouveau truc? T'as rien d'autre à me dire. Bon, bah d'accord. Hein. Tu n'as rien d'autre à me dire. Un lanceur d'une arme, alors. J'ai que le pistolet. Bon, bah puissance de feu, hein, augmente les dégâts de toutes les armes de la catégorie. Hop. Améliorer l'herbie. Déverrouille les améliorations au niveau de pour puissance de feu 300 et j'en ai combien en fait d'épaisse? Oh là, ah j'en ai 300, j'en ai 300 et il me demande 50. Ça c'est ça, il me demande 100. Oh là, attendez-moi, 20 20 120 la 50 30. Alors, fabrication. J'ai pas fabriqué combien au maximum? 27. 27 balles. Un chargeur, c'est 7 balles. Je vais faire deux chargeurs. Hein. Deux chargeurs, ça devrait être bon. Et une seringue. Hop, on se régène. On va aller chercher l'arbalète. Mais d'abord on va rentrer dans l'église. D'abord on va faire un petit tour dans l'église, je pense. Allez. Ouais. On va aller voir ce que j'ai obtenu avec les clés. Ça va être marrant. C'est super lent quoi mon perso. Wouah. Et surtout, c'est quoi qu'il y a avec la DIA? Si j'obtiens une deuxième DIA, mais je me demande ce qu'il y a dedans. C'est quoi l'image de la DIA? Ah, c'est... Toujours debout, Kidman. Je n'arrive pas à croire que Lily soit vivante. L'incendie. Lily n'est pas morte dans l'incendie. Vous le savez maintenant. Dites ça à mon cerveau. Dites ça au cauchemar que je fais depuis des années. Pourquoi l'ont-ils emmenée? De toutes les petites filles du monde, pourquoi la mienne? Je n'ai pas de réponse à ça, Sébastien. Mobius a enlevé Lily bien avant que je les rejoigne. Je sais que vous ne croyez pas aux coïncidences. Mais peut-être que vous voyez un complot parce que vous le voulez. Certains crimes arrivent, comme ça, sans raison valable. Juste une personne qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Je refuse de croire ça. Quoi qu'il en soit, l'incendie est un souvenir que vous devez oublier, Sébastien. Ce n'était pas votre faute. Et vous n'avez pas perdu Lily à cause de ça. Ne l'oubliez pas. Mais encore, j'allais dire, mon grand, est-ce que ça avait perdu à aller dans un caisson? Waouh. Ça t'aide de savoir qu'elle est dans un caisson. Bon, qu'est-ce qu'on a eu dans nos petits trucs ici? Vous avez rapporté quelque chose? Une clé? Parfait. Certaines clés ouvrent les portes de la perception, mais ce n'est pas l'une d'elles. Celle-ci est plus commune, mais tout de même utile.
Alors. Allez-y, ouvrez-en un. Son contenu aura plus d'utilité. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 1, 2, 3, 4. 32. Bon. Alors, je me mets au milieu. Ici, plus ou moins. Ouais, si je fais que ça, c'est débile. Bon, hop. On va faire ça là. 10 poudres. Ouais. Là au-dessus. Une trousse de premier secours. Contient de quoi restaurer une quantité moyenne de santé, plus efficace qu'une seringue médicale. Vous pouvez fabriquer des trousses de premier secours avec des herbes. Oh, mais c'est bien ça. Bon, allez. Bon. Alors, on va faire la dernière là au bout. Deux balles de fusil. D'accord. Dommage. Comment voulez-vous que j'aie les ongles parfaits si vous interrompez sans cesse ma manucure? T'es même pas en train de faire ton manicure là, ma chère. Je sais que mon bureau est relaxant, mais ce n'est pas un endroit pour traîner. Ne croyez-vous pas que le moment est venu d'avancer? Non, c'est pas ça, c'est seulement que j'ai envie de savoir si tu vas faire un truc. Ongles ne croyez-vous pas? Comment voulez-vous que j'ai. Ne croyez-vous pas? Non, elle dit tout le temps la même chose, quoi. Je pensais qu'elle allait dire un truc spécial ou autre, mais non, en fait, elle s'en fout. Bon, allez. J'amène tout au premier niveau déjà. Récupérer davantage de santé avec les objets de guérison. Ah, ça me la faudra. Guérison rapide. La vitesse de récupération de santé augmente si vous revenez d'une mort imminente. Furtivité. Odeur avance plus vite en position accroupie. Oh, mais ça c'est nickel, ça comme ça. Tests sont utilisés automatiquement. Les bouteilles de votre inventaire pour vous libérer de l'emprise de certains ennemis ne fonctionnent pas pour toutes les attaques. Embuscade, effectuer des attaques furtives depuis un angle lorsque vous êtes à couvert. Profil bas 2, vos pas sont encore plus silencieux, les ennemis se mettent à votre recherche encore moins rapidement. Ouais, allez, on avance plus vite en position accroupie. Je vais surtout augmenter celui-là, embuscade. Se mettre à couvert, près d'un mur. 1, attaque furtive, quand l'icône d'attaque furtive s'affiche. Lorsque vous êtes à couvert dans un angle, vous pouvez effectuer une attaque furtive contre un ennemi situé de l'autre côté. L'ennemi doit se trouver au centre de l'écran pour que s'affiche l'icône d'attaque furtive. Une attaque furtive est impossible si l'ennemi vous a repéré. Excusez-moi. Pardonnez-moi infiniment. Alors, la santé totale issue d'une régénération après une mort imminente est augmentée. Oh, ben. Bon, voilà, je me retrouve à 2000. Là, j'ai un gel rouge. Déverrouiller l'arbre d'amélioration. Utilisation du gel. De. Voilà, 110 à 125. Déverrouiller l'arbre d'amélioration, c'est quoi ça? Résistance 4, au moins capacité maximale de la jauge de santé. Ah, c'est bien ça. Si. Augmente votre seuil de tolérance à la douleur. Vous survivrez aux attaques qui auraient dû infliger assez de dégâts pour vous tuer. Ah merde, bon. Ah voilà. LB maintenir utilise un objet du menu arsenal. Ah elle apparaît là la trousse maintenant. Tac tac tac. D'accord, bon. Ah j'ai carrément 3 chargeurs en fait de petits pistolets. Ah bah ça va, j'ai déjà un chargeur de base en fait pour les petits pistolets, c'est bien ça. Bon, alors il me faut quoi? Il me faut 5 herbes. Et. Papapam. Alors, et ça me régène de combien? Plus efficace qu'une seringue médicinale. Une quantité moyenne. Et ça, c'est. Une petite quantité. Ouais. Bon, je sais pas.
Bon, je vais vous laisser ici pour ce let's play. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine.